Sud à Nouméa, c'est un rendez-vous annuel pour les acteurs de l'économie maritime et de la protection des espaces maritimes. Et c'est l'occasion de faire un état des lieux, des réalisations dans le domaine de l'économie maritime, mais également de se pencher sur les projets de développement de certaines filières. Aujourd'hui, les acteurs de la mer appellent à une gouvernance plus simple et plus claire, comme l'exprime Philippe Darazon, président du cluster maritime, au micro d'Éric Dufour. Des images signées Christian Favnec. Le principal élément à nos yeux, c'est d'abord de déterminer une gouvernance de la mer qui soit plus simple et plus efficace. Le découpage institutionnel fait que la mer, comme d'autres domaines, souffre un petit peu de prise de décision commune, concertée et élaborée en commun. Et je crois que le principal enjeu pour l'économie maritime calédonienne, c'est d'arriver à mettre en place une gouvernance et donc une stratégie commune sur les actions à mener.